Salut à tous, c'est Bleutooth de Fixation qui vous parle. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo, d'une présentation nostalgique que je vais vous partager parce que personne ne l'a fait en tant que vidéo et j'imagine qu'il y a du monde qui connaît pas du tout ce site aussi qui l'ont vu, il le connaît mais après il a disparu, bah voilà, et ceux qui l'ont vu après, ceux qui veulent chercher un truc comme ça, ne le retrouvent pas. Donc je vais vous présenter charabia.net. Dans le passé, alors charabia.net, c'est quoi? C'est le générateur de texte aléatoire d'un graphe. Entrez, voilà, c'est parti. Donc, ce que vous faites, c'est très simple. Alors, n'essayez pas de cliquer ici parce qu'en fait, ce qui va se passer, en fait, c'est que il a dit qu'il a besoin de Java en fait et ça ne marchera pas. Voilà. En fait, ça marche sur Java. Dites-le, téléchargement. L'installation française pour Windows, le générateur pour Linux et multiplateforme, la code source. Alors, on voit bien que le documentation hors ligne n'est disponible jusqu'à présent, n'est disponible, voilà dire, de tirer le générateur. La moindre des choses. Ensuite, on va commencer par un graphe très grosse, un générateur de texte très grosse, comme Jésus-O-Matic. Tiens, ça tombe bien, ça remarque. Voilà. Qu'en fait pour l'exécuter, c'est très simple. Maintenant, vous allez faire zip téléchargement et là générateur voilà. Ensuite vous allez faire java moins jar en bas vers le générateur votre bash et vous faites générateur.sh comme ceci voilà. Vous avez une fenêtre comme ça. Maintenant, je load le fichier. Vous avez un ici là, mais on a un truc là. Question technique pour Linux. Téléchargement. Question technique pour Linux, voilà. Ouvrir. Je génère, alors ouais, les graphes, là, ici, dire. Les variables, les styles variables, c'est. Voilà, dire. Bon. Là, ce que j'avais. Salut. Je n'arrive pas à installer. Ouais, ça c'est emmerdant parce que chaque fois que ça fait ça, en fait, ça fait. En fait, c'est un accent, mais c'est pas grave. Hein. Installer ma RAJ 28, j'ai essayé de reformater mon disque dur, mais n'a pas rien donné. Je suis sur Mandrake 5.2. J'arrive à faire correctement l'installation. Merci d'envoyer votre réponse. Voilà, ça c'est des trucs comme ça. Voilà, c'est une découverte. À vous de découvrir donc sur la planète pour vous. Donc, et vous dire à la prochaine.